Salut à tous mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien et en parlant de petits poulpes, nous avons le cheval chimérique pieuvre géante à gagner, voilà, c'est dans le thème, on est dans le thème, c'est merveilleux. Du coup, on se retrouve pour avancer. Alors, je pense que cet épisode sera assez court, puisqu'on va avancer tranquillement et nous n'avons pas grand-chose à faire à part poursuivre un petit peu le concours, faire ce que l'on a à faire d'habitude. J'ai pas de dada en particulier à bleuper ou à bleuper rapidement ou autre, voilà, il n'y a rien de particulier en ce moment. Si, il y aura une naissance à faire, mais ça, on verra ça juste après. Avant ça, on va faire un tour au niveau des vidéos publicitaires. C'est parti, on lance avec un petit peu de chance, voilà. Avec un petit peu de chance, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Allez, ça charge, hein. Des fois, ça veut rien dire, hein. On va finir par obtenir la pub. Non, il veut pas. Je suis un petit peu dégoûtée. Une dernière? Non, ça veut pas. Ça veut vraiment pas. Ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve quand ça fait ça. Et là, ça lance. Pourquoi sur Ourano, ça veut pas? C'est une excellente question. Non, ça veut pas. Donc, il n'y a pas un problème de bloqueur de publicité ou je ne sais quoi, hein, c'est juste que ça vient de chez vous, hein, donc arrêtez de me faire chier, arrêtez de me faire chier avec mes cookies, mes machins, mes ceci, mes cela. Voilà, au bout d'un moment, vous me saoulez. Et puis même si vous changez de navigateur des fois, parce que ça pourrait venir du navigateur, hein, mais des fois vous changez de navigateur, le problème n'est toujours pas résolu. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Est-ce que si je cale un VPN? Alors, ça va mouliner un petit peu, je viens de changer mon VPN, je suis pas du tout connectée au même endroit, mais je doute que ça soit ça. Comme je vous ai dit, des fois, c'est même pas. C'est pas. Ça vient d'eux, en fait. C'est pas. Peu importe où t'es connecté, peu importe sur quel navigateur tu es, voilà. Donc le problème est toujours là, y a pas. On peut pas faire mieux. Ouais, non. Bon, allez. Hop, j'enlève mon VPN. Tac. J'ai tenté, j'ai essayé. Je me suis dit peut-être, éventuellement, mais non. Ça veut vraiment pas, donc tant pis. Hop là. Placer un objet du marché noir de la catégorie reproduction sur un cheval. On va faire ça, mais avant. On va faire le clic-or. Hop, on va dégivrer. Un truc pour la reproduction. Alors j'ai un dada à faire, mais je ne sais pas ce que j'ai en fait en réserve au niveau des objets pour la reproduction. Ah, une petite couverture d'hypnose, ça fait plaisir. Du coup, bah, on verra. On verra. Ce qui serait cool, c'est de mettre une petite flèche pour pouvoir réduire le temps de gestation. Ça serait cool. Et puis surtout, j'en utilise presque pas, donc en soi, autant gagner des passes, autant utiliser un truc que j'utilise pas et qui qui me demande pas de dépenser des passes en échange. Allez, hop. On félicite. On félicite. J'ai fait un saut de Gaïa, on est d'accord? J'ai un doute. Je ne sais plus ce que je fais. Je suis fatiguée. Hop là. Le dernier. Ok, donc il y a un Xianthos qui nous manque. Hop. 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 Voilà, nickel. Le dernier.
Oui, s'il y en a certains qui me sentent fatigués, mais ça, je vous le dis, hein, je bosse beaucoup, j'ai un emploi du temps chargé. Rassurez-vous, ce n'est pas de la dépression. J'en ai quelques-uns d'entre vous. Par moments, vous vous inquiétez, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je déprime pas. Je pense que je serais dans un autre état si c'était le cas. Vous inquiétez pas, c'est juste de la fatigue. Juste quand tu fais 70 heures par semaine, avec tous tes boulots réunis, ça commence à être un petit peu dur, ça pique un peu. Tac, tac, tac. Mais heureusement, comme je le dis, il y a YouTube qui me permet de pouvoir trancher un petit peu. Bon, YouTube, voilà, il y a quand même du travail derrière, mais c'est, on va dire que c'est le boulot le moins prise de tête, voilà. Je cherchais le moins prise de tête. Du coup, ça va, c'est cool, bonne détente. Alors, quelle race de cheval n'existe pas? Le penthorse, le selle français, le frison ou le tapis français? Moi, je dirais le selle français. Non, selle français, c'est bizarre, hein, selle. Pourquoi selle français? Parce que tapis, ça fait tapir. Non, j'ai con... Le tapis français, bien évidemment. Le tapir. En vrai, ça pourrait passer, hein, le tapir français. Mais bon, non. Pas pour un cheval, ça ferait bizarre. Qui est Pégaso? Un chanteur, un peintre, le poulain de la première jument clonée, un danseur. Je devine, vu que on est dans un monde équin, là, sur Equidéo, et que la seule réponse est le poulain, parce que les autres, ça reste des humains. La question était très dure, là. La question était très très dure. Les questions là étaient très très dures, incroyable. Bon, faut me poser des questions plus dures. Hop. Alors, on a fait le clicor, les objectifs, bientôt fini, l'espace créa. Il n'y a pas encore la possibilité de pouvoir voir ce qui a été voté, ce qui a remporté. Donc, on va attendre un petit peu. Ça, c'est terminé. On va produire. Voilà. Je ne peux pas plus. Je ne peux pas plus. Qu'est-ce que je peux éventuellement faire? J'ai beaucoup de cuir. On repart sur des longes, des cloches, etc. Ouais, allez. Une fois que ça c'est fait, au niveau des prix, normalement, on n'a strictement rien à faire. Ah si, on a ça à récolter. Ok. Écoutez, on va renvoyer de l'avoine. J'ai mis de la luzerne aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, yes. Hop. Du coup, on a notre merveilleux petit crabby. Alors. Hein. Alors, j'ai réalisé cet objectif pensant que j'arriverai jamais à avoir de personne à qui je dois donner un petit coup de pouce lors du moment où je tourne les vidéos, en fait, parce que ça fait plusieurs fois, et je me suis dit, je vais jamais y arriver. Du coup, je me suis dit, on va faire en hors cam, on va réaliser ce petit objectif, et on va le valider en caméra, voilà. Merveilleux. Mais du coup, ben, j'ai fait ça, mais du coup, maintenant, ben, il y a des demandes. Mais expliquez pas, voilà, pourquoi ça fonctionne comme ça, je ne sais pas. Ça s'appelle la chance. T'en as ou t'en as pas. Du coup. Bah ça c'est fait déjà en fait. Ah, j'aurais dû attendre. Bon. C'est pas bien grave.
Hop. Michel, voilà, nickel. Ah, ça fait plaisir. Donc en fait, on va pouvoir remplir un peu plus, avoir plus de jauge. C'est parfait. On pourra aller un peu plus loin. Oui, je sais que tu veux que je réalise l'objectif, mais ça va pas être possible. Voilà, on fait nos deux demandes. Toutes les 4 heures. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Mais du coup, il faut que j'attende. Et ouais, il faut que j'attende au moins 1 heure avant de caresser de nouveau un petit dada au Havre. Bon, bah ça, on fera ça demain. Je tourne une vidéo encore demain. Donc, on fera ça demain. Du coup, on va aider tout le monde. Voilà, le petit coup de papatte. Je vous donne un petit coup de papatte dès que je vous vois. Pareil sur Uranos, vous avez dû le remarquer. Dès que je vois des demandes d'aide et autres, je le fais. Du coup, nous avons quelques dadas à s'occuper. Premier, le Tinker numéro 8. Donc, il faut qu'on finisse d'entraîner en dressage. Voilà, nickel. Les petits soins. Les divins. C'est parti. Voilà. À ton tour. Voilà, nickel. On s'en occupe pas. Non. Alors, il faut qu'on finisse d'entraîner Misaki. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. C'est vrai que le petit bouton VIP pour inscrire plus vite, c'est pas du luxe quand même, hein. Dommage que le compte VIP vaille cher. Sinon, je l'aurais sur mes deux comptes, je l'aurais même sur Gaïa. Hop. Il y a deux, trois petites fonctionnalités du compte VIP qu'il faudrait qu'il bascule quand même sur le compte Pégase. C'est pas, voilà, c'est pas du luxe. Il y a certains trucs, c'est pas du luxe. Mais bon, il joue sur ce fait que, il y a des fonctionnalités qui sont très très intéressantes et qui permettent de pouvoir rendre le jeu plus fluide et plus agréable pour justement que tu débourses un maximum de passes dans leur compte VIP. Donc, ils ont compris, ils ont compris, ils ont compris. Voilà, c'est l'équipe marketing a tout compris, donc ils se sont dit comme ça on va acheter plus de passes. Et si j'achète plus de passes, ça fait plus de sous dans nos poches et on va pouvoir déjà impayer tous nos employés. Déjà, ça c'est déjà une bonne chose. Nos serveurs et après bah ça finit dans les poches après. Hop là, voilà, nickel. Du coup, si je dis pas de bêtises, on a celui-là. C'est ça, c'est Arizona. Alors, on a un potentiel génétique de 5000, c'est pas ouf, mais elle est pure, c'est une femelle, et j'ai envie de faire un petit poulain. Du coup, il nous reste un petit peu d'énergie. Est-ce que tu vas à moins 25? Ouais, tu vas pouvoir supporter. Du coup, il nous faut un Appaloosa. Avec le meilleur potentiel génétique possible. 5000 écus, ça va, c'est pas trop cher. Ça reste raisonnable. Petite saillie, voilà. Ah, j'ai oublié de mettre. Il fallait que je réalise un objectif. J'ai oublié. Ah, la poulette.
La boulette, la boulette, la boulette, la boulette. Ah là 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 là. Alors attendez. Parce que j'avais pensé à un autre dada, éventuellement, sur qui mettre, placer un petit objet qui fait partie des objets de la reproduction. Par exemple, celui-là. Est-ce que j'en ai en stock? Ouais, allez, hop. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà ce qui se passe quand on est fatigué, hein. Là, je commence à être un petit peu à bout. Là, je suis à la fin de ma vie, là. Tout va bien. Ok. Allez, le petit poulain, il est beau, il est merveilleux, il est là. C'est un mâle. Bon, on ne peut pas tout avoir. On a déjà 12 000 de potentiel génétique. Bon, j'aurais mis un petit peu plus haut, mais bon, vu que maman est un peu basse et elle n'a pas le bleu sang. Forcément, on n'a pas le meilleur potentiel génétique qu'on aurait pu avoir. Toi, je te renomme, tu es le numéro 20. Hop, voilà. Nickel, parfait. Et voilà. Et du coup, on va mettre maman à la retraite. Alors, si je dis pas de bêtises, elle est ici. Hop, voilà. C'est nickel, c'est parfait. On va, alors c'est dans les élevages, te mettre à conserver. Voilà. Quoique, on avait gardé. Parce que celui-là, ce n'est pas un dada qui a. Comment dire? Un pseudo, en fait. Du coup, je suis en train d'hésiter à le mettre en tant que chevaux APV. Je réfléchis. Où est-ce que je le garde? Alors attendez. Léopard alezan, 9%. Non. Parce que si ça avait été une robe rare, bon là, je l'aurais gardée à coup sûr. Bon, hop, ça va finir en tant que chevaux APV. Je suis désolée, mon petit Arizona. On va lui laisser son petit pseudo quand même. Voilà, nickel. Du coup. J'ai mis de côté lui, puisque je vous rappelle qu'on essaye de voir si la fiche de blob que j'ai mis au point, qui est normalement valide de Uranos Gaïa, fonctionne bien sur Gaïa. Donc, on doit l'envoyer en balade en montagne. On le nourrit. Voilà, nickel. On la caresse, etc. Voilà. Et c'est bon, c'est fini. Eh bien écoutez, voilà, on a tout fait. On a fait le centre équestre, on a fait les dadas, enfin les piñatas. Éventuellement peut-être la boutique, vendre deux, trois trucs. Alors attendez. Par exemple, là, je peux vendre 1 000. Voilà, déjà, c'est pas mal. Je peux vendre 400. Je peux vendre 20 000 par exemple. Voilà, c'est parfait. On a gavé de paille, mais on n'a pas assez de crottin. Donc je vais vendre la paille. Dans tous les cas, on va en avoir d'autres. Qu'est-ce que je peux vendre en plus? Une selle 2 étoiles, on n'en a plus besoin. On a plein de selles de niveau 3 étoiles. On commence à être bien. Voilà, nickel. Ah, on est presque revenu au petit million. Bah, du coup, ça me donne envie de tenter le million. Est-ce qu'on peut se le faire? Là, par exemple, je vais vendre 90. Je vais en vendre 3. Ok, on va gratter encore un peu à droite et à gauche. Là, on va en vendre 30 et on va en vendre 8. Pas encore. Qu'est-ce que l'on peut vendre? Un petit peu de pommes. Mille, par exemple.
Voilà, nickel. Ça y est, on a redépassé le million. C'est parfait. Bon, on a eu pas mal de sorties, mais ça, c'est parce que j'ai acheté des dadas. Donc, c'est tout à fait normal. Du coup, bon, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Je voudrais juste jeter un dernier coup d'œil au niveau des piñatas. Non, on peut toujours pas. Ok. Eh bien, écoutez, vous savez ce que ça veut dire. C'est la fin de cet épisode. Il aura été assez court. Mais voilà, il y a des choses qui se seront passées quand même. On aura fait pas mal de petites choses. C'est parfait, on avance bien. Du coup, on félicite. On félicite. On félicite. On félicite. Et on félicite. Allez, nickel, c'est parfait. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, des bisous, bye bye!